Et bonjour les gens, nous sommes. On est samedi 30 juillet déjà. Lundi, on avait dénoué l'épisode 4. L'épisode 4 était très compliqué, il y avait beaucoup de personnages. C'était très flou au niveau des liens entre les personnages de l'enquête. Vu que Anaïs était en vacances, je me suis occupé un peu de creuser des pistes, etc., de compléter un petit peu l'histoire. Et aujourd'hui, je vais lui en faire part. Et en même temps, discuter de plein d'autres idées qu'on a eues, genre des scènes qui n'arriveront que dans 2 saisons, mais qu'on réfléchit déjà. Mais voilà. Donc, toujours en visio, parce qu'il est toujours en vacances. J'ai oublié de filmer, il est 23 h, on a fini l'épisode 4. Bonne nuit! C'est parti! Ok, allez, Épisode filmons. 5, séance de travail. On est chill, on est le 1er août actuellement, et on a décidé de se mettre vachement bien. On peut travailler. On peut travailler maintenant. Alors. L'épisode 5. Il parle de quoi ce fameux épisode? Du Ku Klux Klan. Ah, super! Un sujet toujours pas du tout sensible. Pas du tout, surtout pas pour la communauté noire. Non, non, jamais, jamais, toujours. Et l'un des rares enquêtes de Sherman qu'elle ne va pas réussir à. À résoudre, hein. Enfin, elle va la résoudre, mais. Nice, on adore. Mais elle va. En fait, il y a eu. Spoil! Non, mais en fait, de toute façon, ça sera bipé. Mais. J'espère que ça va être bipé, ça! Voilà, vous avez la fin de l'épisode! Super! Tant qu'on monte pas là! Tant qu'on tombe pas sur Jésus, tout va bien! Elle est pas croyante, Germaine. Non, mais vous, mais elle a une certaine connaissance, elle s'habille en clergé! Elle a une certaine connaissance, elle Alors, t'as dit le temps qu'on retombe pas à l'époque de Jésus, ça va! Ouais, voilà! Je suis rentré il y a à peu près 1 heure, on n'a pas fini l'épisode 5. Et on se rend compte que le timing est extrêmement serré, puisque nous avons des deadlines qu'on s'est fixées dès le départ afin d'être efficaces. On remarque qu'il nous reste à peu près 1 mois. Donc en fait, la série, elle doit être finie au 1er septembre. La saison 1 doit être entièrement terminée. Parce qu'à partir de septembre, il y a ma partie. Donc Pierre-Marie, avant, avait pris le temps du coup de réadapter. Donc il a lu les bouquins de Sherlock Holmes et les a retranscrits à la manière d'un scénario. La deuxième étape qu'on est en train de faire et qu'on est en train de vous partager, c'est toute l'étape de réécriture, de changement, etc. Donc comme je dis, on garde que la base des enquêtes et le reste, c'est du nous. Ensuite, la troisième phase, c'est la phase que j'adore et qui m'est arbitrée, administrative, attachée de presse, etc. Ça va être tout ce qui est trouvé, les partenariats finalement. Avec des chaînes TV, avec des plateformes, avec des médias pour qu'on puisse réaliser ce beau projet. Et pour cela, du coup, il faut que la saison 1 soit entièrement écrite et c'est le 1er septembre. Alors, la semaine prochaine, Pierre-Marie va venir chez moi à Strasbourg pour un petit workshop, si vous voulez. De 3 jours, on devrait écrire l'épisode 8, 9 et 10, puisqu'on compte finir le 6 encore cette semaine. Allez, on y croit, on lâche rien. Et on va y arriver. On a le mental. Le mental, c'est important. Quand t'as le mental, tu es inarrêtable. Vachement connu. Mais moi, je sais pas du tout. Mais la dernière fois, il y avait un mec qui m'a dit « Ah, mais je te croise souvent dans les noms de journaux. » J'ai dit « Bah, dites-moi où ça. » Tant que c'est pas dans la rubrique nécrologie, tu vois, tout va bien. Et j'ai aussi un contact dans une radio. Oui, même 2 contacts dans une radio. Mais tu vois, je me dis « Tant qu'à faire. » Tant qu'on est dans le truc de com, plus on aura de com et que ça va parler de nous, plus on aura de poids, de visibilité et d'influence pour faire après ce qu'on veut. Parce que je t'ai dit, nous, on devra se donner beaucoup plus que d'autres gens, soit qui ont des moyens financiers déjà assez conséquents. Faut pas se mytho, c'est comme ça que marche le monde. Hein. Ou alors, les gens, ils ont le réseau dans le cinéma. Il y a quelqu'un qui connaît quelqu'un et c'est du piston. Soit du piston, soit des sous, on n'en a aucun des deux, donc on va ramer, mais on peut déjà commencer par ça, je pense que... Alors attends, non, j'ai 3 contacts, Nous sommes le dimanche, c'est tout, et aujourd'hui, nous allons finir l'épisode 5, qu'on n'avait pas fini la dernière fois, donc là on va être en visio, parce que Anaïs est retournée sur Strasbourg, et voilà, donc finir l'épisode 5, et en même temps, peaufiner des petits trucs supplémentaires qui peuvent être très intéressants pour le projet. Voilà. Juste, elle prend le papier et elle fait « Dans quelle affaire il s'est encore fourré ?» Et du coup,
On sait pas qui c'est, mais on sait juste que c'est de sa famille. Mais on n'a aucune idée et on laisse le spectateur... Après, ce serait pas mal, tu vois, qu'on fasse réfléchir, tu vois. Moi, je vais les faire chier, les spectateurs. Je vais chier. Je te jure, mon rêve, c'est qu'il y ait des gens qui mettent sur Twitter, sur Facebook ou je sais pas quoi, ou qu'il y ait des vidéos YouTube qui fassent « Pourquoi il y a cette scène ?» Limite, c'est de donner, on va dire, une petite graine aux oiseaux en mode « C'est bien, tu es sur le bon chemin. » Et après, on les fucked up. Ça, c'est un truc de fou, pour expliquer rapidement. Pour certains personnages, je suis en mode « Ce personnage va avec cette actrice ou cet acteur, c'est sûr et certain. » Mais pour le personnage d'une femme, Anaïs avait pensé à une actrice qu'elle connaissait très bien, etc. Machin. Et j'ai appris que, dans l'univers de Sherlock Holmes, l'un des personnages préférés de l'actrice, eh ben, c'est le personnage auquel on avait pensé pour elle. L'alignement des planètes est tellement droite qu'on dirait une raille de coke. Je vous jure, c'est... Vous savez, avec notamment la série de 1986 de Sherlock Holmes, la série animée, et ensuite la série de la BBC avec Martin Freeman et Benedict Cumberbatch, avec les deux films, Sherlock avec Robert Downey Jr., et je pense moult adaptations de Sherlock Holmes, et on se familiarise avec beaucoup de personnages. Le fait de savoir que l'actrice aime le personnage, c'est tout bonnement incroyable en fait. Je m'en rends pas compte. Et donc, mercredi, il y a peaufinage de l'épisode 5, commencement de l'épisode 6, interview des acteurs pour le making-of, et visio avec l'actrice. S'il y en a un qui dit qu'on fout rien, à toutes les personnes qui pensent qu'on fout rien, qui pensent qu'on n'est pas investi, qui pensent que c'est qu'une simple activité comme faire des dominos, je citerai du Belmondo en vous disant « Allez vous faire foutre !» Bisous. Pierre-Marie, aide-moi. Ben je t'aide, je travaille. Oui, c'est ça. Alors, toi, tu me filmes et moi, je bosse. Ben bravo, bravo, la parité, voilà, la charge mentale des femmes. Gros, action. Ok. À mon avis, ça va avec ça. On va se remêler comme ça. C'est qu'à mon avis, ça va ensemble. Ouais, on prend 25 mm pour le portrait. Oui. Dis-toi que 25 mm, c'est la vue humaine. D'accord. En termes d'échelle. Oui, mais 25 images par seconde, etc. Enfin, vous moquez de moi. Plus tu vas dans le grand, genre le deuxième là qu'on a, c'est le 35 cm, ça veut dire que ce sera très près. C'est-à-dire qu'on va zoomer dessus. Plus c'est petit, plus tu vois là, comme c'était éloigné, plus le nombre devient grand, plus c'est de près. Okay. C'est bien, parce que ça, ce sera le moyen mnémotechnique. Il restera dans le vlog. Oui, ouais. Eh oui, un homme qui fait le ménage, il faut quand même surligner ça. On surligne carrément. Hein. En fluo. Ah oui, il y en a qui vont croire que c'est aussi fake que la zone 51. Il va y avoir les théories du complot. Alors, en fait, non, c'est Stanley Kubrick. Tu sais qu'il y a parmi la théorie du complot au cinéma, t'as le fait que Stanley Kubrick, donc celui qui a fait 2001 le lycée de l'espace, c'est lui qui a organisé les premiers pas sur la Lune. Ah ouais? Ouais. Anecdote du cinéma. Quand Stanley Kubrick a fait 2001 le lycée de l'espace, il a utilisé des caméras que uniquement la NASA utilisait. Un an plus tard, donc je crois que c'est sorti en 68, hein, 2001 le lycée de l'espace. Et en 69. Qu'est-ce qui s'est passé en 69? Il y a un événement historique spatial. Lequel? Interplanétaire, mais les premiers pas sur la Lune. Bravo! Bon, tu rajoutes à ça le fait genre que les gens ils disent ouais, le drapeau il flotte pas, ouais, l'effet de la pesanteur ou je sais pas quoi. Les gens ils ont commencé à faire un lien avec 2001 le lycée de l'espace, et du coup ils ont fait un raccourci à la Mario Kart et ils ont dit mais en fait c'est Stanley Kubrick qui a fait les premiers pas sur la Lune. Parce qu'il a utilisé les mêmes caméras que la NASA, et puis la NASA il a fait les voilà, et puis l'espace, et puis le truc, et machin. Mais il y a des gens qui pensent vraiment que l'homme n'a jamais marché sur la Lune, et que tout a été orchestré comme un film. Et par contre, en 77, quand il y a eu Star Wars, personne n'a ouvert sa gueule. Hein. On a sorti les sabres laser, hein, là, tout le monde est en mode non, mais c'est bon, c'est pas grave. Voilà le studio. Il n'est pas fini! Il n'est pas fini, bien évidemment. Il n'est clairement pas fini! Mais on a déjà une petite base. Ouais. On essaye de faire un petit décor un peu sympathique. Mais toujours avec les moyens du bord. Hein. Ah, mais ça, mais ça, mais toujours! Toujours! Mais en fait, ça, on fait là avec les moyens du bord, mais c'est classe. Non, mais c'est classe. C'est des bons moyens du bord. Ah ouais?
Du coup, là, on va revoir l'épisode 5, genre pour que ça soit bien, tu vois. Ouais, en fait, ce qu'on a l'habitude de faire avec PM, c'est qu'on les lit et limite on le joue, on met les intonations, etc. Ah oui. Et on voit du coup si ça passe, si c'est cohérent, et on corrige aussi les petites fautes qu'on aurait pu faire. Exemple, dans les séquences, des fois on en rajoute des scènes, et du coup on se plante, on a la 3 à côté de la 5, du coup voilà. Ou même genre un changement de phrase pour que l'intonation soit mieux. Voilà, ou qu'il y ait plus de, enfin, de consistance, voilà, quoi, que ce soit peut-être plus fin, plus délicat, plus raffiné, n'est-ce pas? Ensuite, pause de midi. Et à 14h, on va avoir une vidéo avec une actrice de Paris que je connais très très bien. Ensuite, on travaille sur l'épisode 6. Et à 17h, on va utiliser le petit studio qu'on a fait là, improvisé dans le salon de mes parents, pour faire l'interview de ma compagnon, si on peut dire. Ma compagnonne. De ma partenaire de voilà. jeu, Marie, du coup, qui interprète Watson. Watson. À tout de suite. Donc, à peu près dans 30 minutes. Il y a la visio. Je vais pas être comme ça, faut être présentable. Ah voilà, c'est bien. Allez au travail. Faut me présenter comme ça. Je sais pas du coup si je la connaissais. Hello. Ça va? Bonjour. Ça va, et vous deux? Très bien. Là on a... On a chaud. On a chaud, effectivement. Vous vous rappelez la vidéo qu'on vous avait promis pour les 1000 vues? Bah ça y est, on est en train de la monter là! On fera un peu les actions de tout le monde, ah, c'est ce qu'on mettra du coup dans le blog. Ok, c'est parti? Clap de l'invité? Du coup, je dis quoi? Action! Action! C'est un PM fatigué qui vous parle actuellement. Grosse journée aujourd'hui. Et là, pour la deuxième fois, demain, 8h, chez Anaïs. Il nous reste 2 semaines et demie pour finir le scénario de la saison 1. Et il nous reste 7 épisodes. Si vous voulez vraiment soutenir ce projet à fond, il faut liker cette vidéo. Allez-y. C'est un clic, c'est juste tu descends, hop là. Voilà. Ensuite, c'est juste à côté. Tu t'abonnes, le bouton abonner. Et tu actives la petite cloche. La petite cloche, ça veut dire que tu es alerté quand il y a une prochaine vidéo qui sort. Et ça, c'est très important parce qu'il y a la vidéo making of qui arrive. Il faut que vous soyez averti quand elle sortira. Je vous laisse quelques secondes. Vous allez dans les commentaires et vous mettez « Je veux cette série ». Voilà, normalement, c'est fait. Dès que cette vidéo sera finie, il faudra la partager. Tu la partages sur WhatsApp, tu la partages sur Instagram, tu la partages sur Facebook. Mais il faut qu'un maximum de personnes voient les vidéos. La cinquième, c'est de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Parce que y a des petits plus. Genre sur Insta, il y a des photos, c'est l'envers du décor, tu vois. Et pour vous tenir au courant de l'avancement des projets. Anaïs et moi, on est attentifs à tout. Je vous fais des bisous et nous, on se retrouve demain. Eh hey, bonjour les gens, c'est très mal cadré, mais bon, conduisez pas, conduisez pas au volant, voilà comment ça commence bien. Direction chez Anaïs, pour la suite. 8h du mat, c'est reparti. On est quel jour? On est le jeudi 11 août. Et nous allons attaquer l'épisode 6. Et l'objectif, c'est de terminer du coup entièrement la moitié de la saison 1. C'est ça. C'est parti. Et celle-là en plus, elle est je l'ai comprise jusqu'à la fin. Waouh. Mais non. C'est toutes les autres, on sait pas du tout de quoi on parle. La plupart du temps, on est en mode, mais attends, mais lui, il est pas mort. Mais si, mais non, mais c'est qui alors? C'est Il faut dire, c'est vrai que dans les Sherlock Holmes, du moins dans les nouvelles, il y a plein de choses. On a vu, nous, des incohérences ou plein de choses qui servaient à rien. C'est ça. En fait. Mais en fait, c'est bien parce que dans les œuvres littéraires, ça mène sur des fausses pistes. Tu te dis, en fait, tu te fais ta propre enquête. Tu te dis, ah, c'est peut-être que ce papier va être important. Pas du tout. et en fait, nous, on est vraiment en mode, il sert à rien, on le dégage, on s'en fout. Ouais, c'est clair, on reste sur l'essentiel. Oui. Et au contraire, nous, on va rajouter des choses ou des détails voilà. qui auront toute leur importance durant des saisons et même sur toute la série.
Voilà, vous en dites. Ah oui, et ça, parce que tu m'avais parlé d'un moment. Enfin, tu voulais que le déguisement revienne. Oui. C'est l'occasion. Ah, c'est l'occasion. Génial. Alors, du coup. Elle est là pour bien. Et là, le mec. Non, mais. Et voilà. Mais je suis déjà. Là, est-ce qu'on peut même rajouter, mais juste, mais taisez-vous, bon sang! Genre, en même, je suis sous couverture, taisez-vous! On est où là? Tu vois? Ok, bah, modifie un peu tout ça. Ça, ce serait Sherman, tu vois. On lui donne, celle c'est le déguisement en garçon d'écurie, on lui donne une pièce. Allez, allez au commissariat, et elle part avec les chevaux comme ça, sans lui mettre les guignes derrière. C'est totalement possible. Alors, du coup. C'est un boulot de mec, ça va se péter. Voilà, qu'est-ce que je disais? Au secours, qu'est-ce qui se passe? Ça, ça veut dire c'est la censure, tu vois. C'est la censure, c'est le spoil. C'est le spoil, c'est ça. Sherman, elle meurt à la fin. Bien évidemment, c'est fou. Oui. Mais on sait pas, finalement. Chers visionneurs du vlog, nous vous annonçons que nous avons terminé la moitié de la saison 1. Et à la vôtre. À la vôtre. Bon, coupé.